c'est simple. Quelqu'un va peut-être avoir un problème parce que j'ai pas parlé à quelqu'un de quelque chose dont j'aurais dû lui parler. Et maintenant, je dois le dire à ce quelqu'un et je ne sais pas comment. Enfin, est-ce que je dois le dire ? Quel quelqu'un ? J'ai rien compris. Et voilà. Pourquoi tu ne fais rien ? Ça fait des jours qu'on a évoqué le problème et toi, tu m'as dit que tu allais bouger. Tu t'es bougé ? Tu m'écoutes ? Ce truc que tu dois faire et que tu peux passer quoi ? Demander un service à mon père. Et qu'est-ce qui t'empêche ? Si je vends mal mon affaire, il y a quelqu'un qui va se retrouver en camp de... pas concentration... Comment ça s'appelle ? Rétention. Zorica Velitskovic, à n'importe quel moment, au moindre contrôle, elle peut se retrouver dans l'avion. Qui va se retrouver dans l'avion ? Personne. Entre nous, tu as des rapports simples avec ton père ? Ben, j'ai des rapports simples avec personne. Et surtout pas avec mon père. De quoi il s'agit ? C'est le... Tu dois te soulager. C'était pas trop dur avec ton père ? Vous avez l'air encore plus chiffonné que la dernière fois. J'ai été mieux. Putain, c'est pas possible, ça. Contrôle d'identité, présentez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Ah non, monsieur, on a des ordres. Oui, mais j'emmerde vos ordres, moi j'emmerde la loi, je vous emmerde, c'est niette. C'est quoi cet esclandre ? Tu crois qu'on peut rentrer ici comme dans un moulin ? Ah, il faut que tu m'écoutes. Je ne peux rien faire. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et je développerai tout ça la prochaine fois. Ben, il n'est pas l'heure. Ben, méditez là-dessus aussi. Vous avez encore de cette admirable, admirable glace au thé vert. Tout de suite, monsieur le président. Papa, est-ce qu'il t'est arrivé de coucher avec des hommes ? Oui. Ça fait de moi un homosexuel ?